Previously, dans la saison 2 de Et la Terre éclata. Salut François, je sais que tu ne vas pas le croire, alors je vais donner cet enregistrement à l'autre miteux pour t'expliquer très calmement que la Terre risque à tout moment d'éclater. Et comme c'est quand même un peu votre faute, ça serait bien que vous rappliquiez tous les deux. Pile à l'heure. Eh ben bravo pour le calcul, Mimir Ludo. Ah, je savais que mon mois du passé aurait mis les réglages sur 3 ans et 4 mois. C'était d'ailleurs ce que j'aurais moi-même fait à l'époque, je me connais. Mais Mimir Ludo, je comprends pas. Je pensais qu'on allait dans le futur. Le futur. Ben, je sais pas, on est encore devant chez nous. T'es sûr que t'as pas éclaté ton moteur, là, avec toutes les bêtises que t'as mises dedans? Mais non, enfin, normalement, c'était bio. Wouhou! Eh oh! Mimir Ludo, François TJP! Ah, mais... Hey! Mais c'est qui? C'est nous! Non! On peut se dépêcher un peu, c'est possible? Voudrais pas rater la séance de 20h. Mais... Attends... Et il est où, Poc? T'avais dit qu'ils y croiraient. Oh, t'as raison, ouais. On est carrément stupides, en vrai. Ah ouais, y'a pas Poc, alors. Ou alors... Poc a honte et se tasse. Ah, mais je fais vraiment des jeux de mots miteux comme ça? Oui, j'ai essayé de te le dire plusieurs fois. Hein. Bon, ok, mais s'il n'y a pas Poc, comment ça se fait qu'il nous a envoyé sa voix? Hein? Rêve pas ça, STP. Ah, c'est très simple, j'ai juste pitché ma voix, regardez. Salut François, Salut François. Tu ne vas pas le croire, alors je vais donner cet enregistrement à l'autre Mimir Ludo là pour t'expliquer très calmement que la Terre risque à tout moment d'éclater. Et comme c'est quand même un peu ça serait bien que vous rappliquiez tous les deux. Mais comment tu fais ce pitch en direct là? Mais c'est génial, c'est les VST de 2019 quoi, un truc de ouf. Il faut que je te montre Cubase aussi, viens voir. Oh, je suis déçu, je pensais vraiment qu'on le rencontrerait. Désolé Mario, mais notre Poc est dans un autre château. Attends, mais vous croyez vraiment tous les deux que Pen of Chaos allait vous enregistrer un message? Et pourquoi pas Knarf aussi pendant que vous y êtes? Dans un autre univers peut-être, pourquoi non? Pourquoi vous nous avez fait venir alors? On avait besoin de la DeLorean pour aller au cinéma. Pardon? On voulait faire un marathon en retour vers le futur, mais au cinéma. On remonte le temps pour aller aux avant-premières. Oh! Vous voulez venir avec nous? Ah, mais géant, ouais, carrément! Allez! Pourquoi je n'ai pas eu l'idée plus tôt? Parce que tu l'as eu plus tard! Implacable! Allez-y, tout le monde en voiture, j'ai chargé pendant que François vous montrer notre lettre d'époque de Poc. Désespérant, mon moi du futur. Mais au fait, sinon, comment ça se fait que vous n'avez plus la DeLorean? Mais vous l'avez pas revendue quand même! Enfin, je sais pas, on a des problèmes d'argent dans le futur? On doit revendre nos organes, c'est ça? Enfin, est-ce que j'ai finalement été obligé de monétiser mes fictions en 2019? Non mais dites-nous quoi, je sais pas qu'on soit préparé ou... Tout va bien. Mais je pense pas que ça soit une bonne idée de tout dévoiler, hein. Vous savez, il y a quand même des règles à respecter. Mais reste sous licence WTFPL si tu veux mon avis. En fait, nous n'avons plus la DeLorean parce que vous l'avez utilisée. Ah bah oui, oui, pour venir ici. Bah oui, ça doit être ça. Oui, normal. Mais elle n'est jamais revenue? Non. Tiens, c'est vrai que c'est bizarre. Et ça ne vous a pas inquiété ça? Et en parlant de règles à respecter, moi je suis super surpris, hein, je voulais le dire. Parce que le fait de se rencontrer dans le futur, d'habitude, ça pose des problèmes de paradoxe. Et... enfin, tu vois, après, on aurait pu... Oh non, pas encore! Encore? Comment ça, encore? Vite en voiture! Peut-être que si on est entre deux périodes au moment où ça arrivera, on pourra s'en sortir. Go! Et la Terre éclata. Proche.